Nous sommes dans les montagnes de l'Atlas, sur les hauteurs de Beni Mellal, une ville du nord où le recrutement de soldats fut important. Pour Brahim, la moisson a commencé sous l'œil de son père, 84 ans, un ancien goumier qui a participé au combat en Alsace et a fini sa guerre en Allemagne. Il y a 3 ans, Moa et Nassiri moissonnaient encore aux côtés de son fils. Depuis son retour en 1946, il n'a plus quitté son village natal. كان فيه صعيب فيه الجبل بزاف فيه الطرب ديال الالمان بزاف شادينه استعمروا الجبل بحال هكذا لا مونتاي كبير. Au mois de décembre donc les unités marocaines commencent à arriver sur le front. Ces troupes vont s'illustrer sur le mont Pantano. Alors c'est un mont que les Américains avaient tenté de prendre à 2 reprises, 2 ou 3 reprises, hein, se cassant les dents à chaque fois. Ils n'étaient pas contents du tout les Allemands. D'abord ils n'étaient pas contents que ce soit des goumiers, des Marocains qui les battent. Pendant cette période, une phrase commence à résonner sur les ondes radio, incompréhensible pour les Allemands. Zidoul Goudam, allez de l'avant. Il a été engagé en 30 jusqu'en 32 comme goumier, de 32 à 34, et ensuite de 43 à 46. Il aurait 100 ans. Pour eux, ces consultations sont souvent le seul lien avec leur passé de combattant, avec ceux qui partagent les mêmes souvenirs ou qui peuvent comprendre ce que représentent ces cartes jaunies par le temps. Avant, je ne pense pas que j'ai respiré. Jusqu'à 9 ans au Maroc, après je me marie, après je fais les enfants. Je ne pense pas à ça. Je pense à demain, petite maintenant, petite. Après-demain, 3 à 4 ans, ça y est, il est mort, tous les assurés combattants. La France, il ne paye rien du tout, ça y est. Il sera tranquille, barre les assurés combattants.